قراء جريدة هسبريس الإلكترونية، أهلا ومرحبا بكم. فريق هسبريس بكندا يرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بالأستاذ فرانسوا بيدار، أستاذ بجامعة أوكام، وهو الأستاذ الذي كان يشرف على بحث الطالب المغربي الذي وافته المنية على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية، يتعلق الأمر بالمرحوم محمد بومدين. مسيو فرانسوا بيدار، ميرسي بوكو دافوار اكسبتي دو نوز اكوردي سيت انترفيو. ميرسي دو لانفيتاسيون. مسيو فرانسوا بيدار، فوز ات بروفيسور ا لونيفرسيتي اوكام اي فوز اتيي اون فواياج دون لا ميم افيون Royal Air Maroc avec Mohamed. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le contexte? Qu'est-ce que vous alliez faire au Maroc, vous et Monsieur Mohamed? Okay. D'abord, mentionner que Mohamed est inscrit dans un programme à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM de 2 ans. C'est une maîtrise. Il était boursier. Et donc, il y a 1 an, il a communiqué avec moi parce qu'il il travaillait à la direction générale du tourisme pour la région de Rachidia, et il souhaitait faire son projet d'intervention en tourisme, sachant que j'étais le directeur du Centre mondial d'excellence des destinations, parce qu'un projet d'intervention doit se faire au sein d'une entreprise. Il a dit, bon bien, est-ce que je peux faire mon projet au Centre d'excellence des destinations, mais en même temps vous avoir comme encadreur. Donc, on s'est rencontrés, j'ai accepté immédiatement. Je voyais que c'était un étudiant brillant et très motivé pour faire un projet qui serait vraiment réel. Alors donc, il était à la toute fin de son projet d'intervention. Et donc, nous partions pour une mission de 6 jours au Maroc pour réaliser son projet, qui était en fait de convenir d'un mémorandum d'accord avec les gens de la région pour réaliser un projet autour d'une plateforme, parce qu'il faisait aussi son programme en management des technologies. Donc, il y avait une plateforme qu'on appelle Géotourisme Explorer ou Géotech, qu'il souhaitait implanter dans la région avec des partenaires sur un projet qui s'appelle la route Majoul. Alors, donc, le soir de notre départ, c'était le mardi 31 mai, tout allait très bien. C'était en fait un voyage qui était un aboutissement de tout son travail. Et ça a été vraiment une grande tristesse là. Finalement, c'est un décès subi parce qu'il était. Moi, je me suis entretenu avec lui à l'aéroport pendant 1 heure et demie avant le départ. Il était très bien en forme. On a parlé finalement de la région. Je voyais comment il aimait sa région, qu'il voulait me faire découvrir. Et également, nous étions à quelques jours du début du Ramadan. Donc, il me parlait aussi de toute la culture et les valeurs autour du Ramadan. Et donc, on devait voyager ensemble, un côté de l'autre, mais finalement, moi, je suis arrivé un petit peu plus tôt, ce qui fait qu'on était séparés de quelques bancs. Alors, lorsqu'on est rentrés tous les deux ensemble dans l'avion, bon, on s'est souhaité bonne nuit et on se revoit à Casa. Et là, c'est là que, en fait, dès le départ, même au décollage, c'est ça que la personne qui était juste à côté, il s'est évanoui. Et là, on n'a jamais pu, finalement, le réanimer. Et l'avion, il y avait un médecin à bord qui immédiatement est venu pour faire les techniques de réanimation. Mais il s'est rendu compte qu'il ne réussirait pas, donc il a sans doute, ou les agents de bord, demandé que l'avion retourne à Montréal. Moi, je m'étais endormi avant même le départ et je dormais très profondément, et c'est lors de l'atterrissage à Montréal que là, ça m'a réveillé, et même je croyais que j'étais rendu à Casa. Alors, donc là, mon voisin me dit, bon, on a dû revenir à Montréal parce que quelqu'un avait eu un malaise cardiaque ou quelque chose comme ça. Alors, OK, ça arrive. Et puis, donc, une fois rendu à la porte, les ambulanciers sont entrés, la douanière. Et encore là, on nous demandait de rester assis. Jusqu'au moment où, là, on a su qu'ils ont fait venir l'ambulance. Et aussi,
les agents de bord ont demandé à tous les passagers de sortir leurs bagages de cabine et de les mettre sur le siège. Parce que, comme je n'étais pas à côté de Mohamed, il croyait qu'il voyageait seul et il voulait identifier ses bagages. Alors là, c'est là que je me suis levé, j'ai pris mes bagages, je les ai mis sur le siège et puis j'ai jeté un coup d'œil vers le siège où je savais que Mohamed était. Je ne le vois pas. Alors j'ai dit, il est peut-être allé à la salle de bain ou quelque chose comme ça. Mais c'est lorsque j'ai vu l'agent de bord prendre ses bagages, comme nous avions été 1 heure et demie ensemble avant de l'embarquement, je connaissais ses bagages, que là, j'ai commencé à être un peu intrigué, parce que je ne pouvais pas m'imaginer que c'était lui, étant donné qu'on s'était vu, il était en forme, il était enthousiaste, c'était un beau voyage. Mais là, ça m'a vraiment intrigué. Alors, j'ai décidé d'être curieux, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passait. Puis c'est là que j'ai vu que c'était lui qu'on essayait de ranimer. Et là, en arrivant là, j'ai dit, mais c'est mon étudiant. Et là, tout le monde se retourne vers moi et on me dit, ah, vous le connaissez, parce qu'il cherchait quelqu'un qui connaissait Mohamed. Oui, j'ai dit, c'est mon étudiant. On partait faire une mission au Maroc à la fin de ses études et tout ça. Alors là, on m'a demandé plein de questions reliées à si je connaissais sa famille et tout et tout. Alors là, c'était le moment où on devait l'amener en urgence à l'hôpital pour essayer encore là de continuer les manœuvres de réanimation. Alors, on a dit, est-ce que vous annulez votre voyage? J'ai dit, bien sûr, parce que moi, le voyage, c'était avec lui. Donc, il n'y avait plus la raison d'être de votre voyage, c'était La raison d'être, avec c'était lui. d'être avec lui, de l'encadrer pour vraiment vivre avec lui le succès du travail qu'il avait fait comme étudiant. Alors donc, je l'ai accompagné là jusqu'à l'hôpital où malheureusement, ils ont constaté le décès. Donc, vous avez dû annuler votre voyage. Est-ce que son projet aussi est annulé? Ah, c'est une bonne question parce que le lendemain, en fait le jour même, parce que tout ça s'est passé dans la nuit, mais il y avait des gens, il y avait plein de gens qui nous attendaient au Maroc pour la mission. Donc j'ai contacté la personne qui était notre personne de contact pour lui annoncer disons, la triste nouvelle. Et tout de suite, d'un commun accord, on a dit, si on peut faire quelque chose pour que le projet de Mohamed se réalise, on va le faire. Et j'ai bien compris, nous, de notre côté, moi, personnellement, étant donné que je suis le professeur, je peux décider que moi, je le fais, mais je ne peux pas le faire sans les partenaires marocains. Et j'ai compris que c'était également leur intention de le faire pour honorer la mémoire de Mohamed, qui était un étudiant brillant, agréable, toujours positif, souriant. Donc, je crois que c'est pour honorer sa mémoire, ça serait la meilleure chose à faire. Merci beaucoup. Donc, إلى كل الجهات المسؤولة عن المنطقة التي كان يحلم محمد بتطويرها، هذه رسالة من الأستاذ فرانسوا بيدار الذي يؤكد بأنه على أتم الاستعداد بأن يشرف على إنهاء هذا العمل الذي كان محمد يحلم بإنجازه. نتمنى أن يجد الأستاذ فرانسوا بيدار، والذي كما قلت في الأول هو أستاذ بجامعة إيكام، أن يجد متعاونين في الجهة الأخرى في المغرب من أجل تكريم روح محمد. Monsieur François Bédard, merci infiniment. On est très touché par votre témoignage et Hespress va être là pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis, j'en profite aussi pour transmettre mes condoléances à toute sa famille au Maroc, ses amis, parce que j'ai été à même de constater comment il était connu. D'ailleurs, j'ai reçu le lendemain même de l'annonce de son décès, il y a des gens du Maroc qui m'ont envoyé leurs condoléances, un peu comme si c'était mon fils Bonjour de adoptif. Un membre de la famille. Également, il y a des professeurs à l'ESG qui sont d'origine marocaine et qui ont eu Mohamed comme étudiant. Et encore là, j'ai eu des témoignages très touchants. Il n'y a personne que j'ai connu qui n'a pas été touché par lui. Alors, donc, je transmets mes condoléances à sa famille, à sa femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ses parents, son père, sa mère, ses frères et sœurs. Merci beaucoup.